Jean-Claude Van den Einde. Mais maintenant, au mois d'octobre et novembre, j'en ai une dizaine, enfin, mois de novembre surtout. Mais ça me paraît très fatigant, ça, parce qu'enfin, vous êtes jeune, c'est un gros effort, tout ça, c'est concours, c'est concerts, et puis alors, votre travail ici. Oui, c'est très fatigant, mais enfin, je récupère tout de même assez vite. Ben, je l'espère, parce que sinon, ça serait peut-être un peu inquiétant. Il y a combien de temps que vous êtes entré à la chapelle musicale? Il y a 2 ans, c'est-à-dire, je suis dans ma dernière année, troisième et dernière année. Mais Jean-Claude Van den Einde, au fond, vous êtes peut-être un mauvais exemple, vous, pour notre émission. Parce qu'on va s'imaginer qu'on vient à la chapelle pour se préparer au concours Reine Elisabeth. Non, pas du tout, pas du tout. La chapelle est une sorte d'université de la musique où les artistes peuvent donc se perfectionner en vue d'une carrière internationale.